Et la Torah, comment on l'a reçue? Bekolot ou Bivrakim? La Torah a été reçue avec la lumière. C'est quoi les brakim? Des tonnerres. Exact. La Torah, quand elle est descendue sur terre, pour que les gens puissent comprendre, ou puissent vivre, puissent faire quelque chose, il y a eu des tonnerres très forts. Bekolot ou Bivrakim. Il y a eu des grands sons et des grandes lumières. Et quand ils ont fait l'addition des lumières, il y avait le savoir. Ça veut dire qu'il y a du son, Bayomer, le son, après lumière, après ça encore une fois le son, mais le son cette fois-ci terrestre, qui est dans l'atmosphère. Et après le son, la lumière, le son, il y a eu une addition de lumière et de son qui nous ont permis une certaine compréhension. Mais juste certaine compréhension. Chaque être humain qui était au mont Sinaï, il est écrit qu'il a reçu les lumières. Chaque fois qu'il entendait un commandement, les anges tapaient sur sa tête pour faire entrer la lumière. Il s'évanouissait. Il mourait. L'ange venait donner un coup, se réveille. Ils ont eu de la mort clinique 613 fois. Tac, 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 tac. Pourquoi tout ça? Parce que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, c'était des esclaves. Et quand on parle d'esclaves, on ne parle pas des gens qui ont été frappés physiquement, tout ça, ça, on sait que c'est. Mais ils étaient des esclaves mentalement. Ils n'avaient plus l'habitude de penser. Ils n'avaient plus la capacité de penser. C'était des ânes. Eux et les Hamorim, c'était la même chose. On marche, on marche. On rentre dans l'eau. Vous avez vu des miracles. Les 10 coups, c'était des miracles. Au-delà de la nature, dans la nature. Bon, vous n'êtes pas impressionnés? On a peur, les Égyptiens. Vous avez vu comment Akadosh Baruch Hu, il les a tous... Vous avez peur des Égyptiens? Oui, on a peur. Allez, il y a l'ange qui va séparer. Où on va aller? Dans l'eau. Comment on va dans l'eau? On marche dans l'eau, hop, l'eau s'ouvre. Vous avez vu l'eau s'ouvrir? Ça ne suffit pas? Encore. Où on va? Au mont Sinaï. Comment on va manger? Quoi, comment on va manger? Chacun avait des ânes, 80 ânes, pleins d'or et de cuivre et d'argent et d'habits. Tout le monde était très riche. Alors pourquoi ils avaient tout le temps peur? La crainte n'était pas la crainte matérielle. C'est pas vrai qu'ils avaient peur de la matière. C'est comme moi maintenant, j'ai ici la canette pour boire. Gold. Et qu'est-ce que je dis? Je dis, oh, je peux pas boire. Pourquoi tu peux pas boire? Non, on m'a dit qu'il y a des bulles dedans, ça va faire du problème dans le ventre. Toute ma vie, on m'a dit que les bulles, c'est dangereux. Je peux pas boire. Tu as soif? Oui. Bois? Non, non. Des millions de gens de boire. Rien se passe. Toi, tu peux pas boire? Non, non. Donc, est-ce que la canette existe ou pas? Non. Pour lui, tant qu'il peut pas toucher la canette, elle n'existe pas. Et là, écoutez bien ce que je vous dis. Dieu a donné la main, Bereshit, au début de la création, il a dit, je vais vous donner le secret qui s'appelle lumière. Je vais vous dire qu'il y a des lumières qui créent des codes binaires, éteint, allumé, code morse, éteint, oui, non, oui, non, oui, non. Et ces lumières-là, il est écrit dans le Zohar Kadosh, qu'ils atteignent la fontenelle. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous émerveiller, mais le Zohar Kadosh, il n'y a rien à faire. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Que les neurones dans le cerveau, écoutez bien ce que je vous dis, ils sont influencés. C'est des capteurs. Ils sont influencés d'impact de Yod et de Vav. Il y a des lumières qui sont des étincelles et il y a des lumières qui sont des étoiles filantes.
Donc, le côté gauche reçoit le vav, le côté droite reçoit le yud, et au milieu, des fois, on a des pensées qui se découlent jusqu'à la colonne vertébrale. On a des frissons comme ça, vous connaissez, des jours que quelqu'un vous parle et... Le corps est en frisson, ça s'appelle nun sofit. La lumière est descendue jusqu'au corps. Et là, on a trois lettres. Yod, c'est le petit. Vav, c'est prolongé. Et nun sofit, encore plus prolongé. On prend toutes les 27 lettres. Elles sont toutes composées de points, de traits et de traits prolongés. Ça, hein, c'est décoder de la lumière pour être capable de comprendre l'origine. Et maintenant, qu'est-ce qui est écrit ici? Ve'ayu, après qu'on a parlé des lumières, vous vous rappelez qu'ils sont devenus le temps. Il répète. Pourquoi tu répètes? La Torah, elle fait attention à chaque lettre. Ve'ayu, et tout ce que je vous ai dit avant. L'avdil ben yom ve'layla. Ve'ayu le'otot ou le mo'adim ve'le'yamim ve'le'shanim. Ça va être le temps, les fêtes, les jours et les années. Les lumières célestes des étoiles nous donnent le temps. D'accord? Maintenant, il dit, vaillou les morot. Pourquoi j'ai besoin encore une fois de dire qu'il y a de la lumière? Ça y est, on a vu qu'il y a de la lumière. Deux fois, tu répètes, vaillou les morot, vaillou les morot. Vaillou les morot, birkia shamaim. Sachez qu'il faut qu'il y ait de la lumière où? Dans Rakia, c'est quoi? L'horizon du ciel veut dire que d'un côté, il nous a parlé des lumières d'en haut, en bas. Et maintenant, il nous dit, quand vous êtes en bas, qu'est-ce que vous allez voir? On est là dans ce monde. C'est très gentil de nous dire qu'il y a 1 milliard de galaxies, 3 milliards de je ne sais pas quoi, et encore... Et ils disent que le chiffre, d'après la Torah, vous savez c'est quoi le chiffre? 3.6... Et fois 10 en puissance de 36. C'est le nombre d'étoiles qu'il y a en tout. C'est un chiffre comme ça. Hein? Très, 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 très long. Et encore aujourd'hui, ils ne peuvent pas arriver à la fin de l'univers. Il n'y a pas assez de puissance. Puisque la lumière circule avec le temps. Donc même si on veut, on doit vivre 3, 4, 5, 6, 7 générations pour recevoir le revenu d'une lumière qu'on a envoyée, je ne sais pas quand, en 1980. Donc, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ve'ayu le me'orot birkei ha-shamayim le'ahir al ha'aretz ve'yichen. Sachez qu'il y a des étoiles au-delà de vous, que ces étoiles-là sont responsables de la Terre. Il y a des étoiles d'autres galaxies qui sont responsables d'autres choses. Ce n'est pas notre problème. Mais sachez qu'il y a une équipe entière d'étoiles, Ve'ayu les me'orot, que ces étoiles-là, Birkei ha-shamayim, dans l'horizon du ciel, les haïr, eux, ils illuminent la terre. Et il y a une grande question que le Zohar Kadosh pose, très belle question. Il dit, Nachon, que la lune, on sait qu'un côté de la lune est obscur et l'autre côté est illuminant. Donc il dit, nous, quand on est sur la terre, quand on regarde le ciel, même le jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit une étoile illuminante. La nuit, quand cette étoile tourne, qu'est-ce qu'on voit? Énormément d'étoiles illuminantes. Le Zohar Kadosh dit, comment ils ont de la lumière? C'est un reflet de lumière. Donc d'où eux, ils ont la lumière? Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans le Sefer Yetzira? Il est écrit qu'il y a Olam, un monde de lumière, Shana, un monde d'étoiles, et Nefesh, le monde terrestre. Et il dit que chaque monde est éclairé par le monde supérieur. Donc, toutes les étoiles qu'on voit sont éclairées par la lumière de l'infini. On voit que la lumière de l'infini veut illuminer notre monde, sauf que si elle va passer direct, on va brûler. On va brûler. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh et dans Sefer Yetzira, le livre de premier homme? Que Akadosh Baruch Hu a créé
l'espace-univers. Dans cet espace-là, il fait sortir sa lumière. Sa lumière atteint les étoiles. Et les étoiles renvoient la lumière vers nous. Ça, c'est la nature. Et cette nature-là est connue par les sages du Talmud, les sages juifs, les sages musulmans, les sages chrétiens. Tout le monde, quand ils étudient l'astronomie, pas l'astrologie, l'astronomie, on connaît, même moi j'étais soldat, on te dit, tu vas dans la nuit avec une carte, tu sais voir où est l'étoile du nord, où est la grande étoile, la petite étoile, tu sais te diriger. Comment tu te diriges? Grâce à la lumière des étoiles. Mais comment nous, on peut prendre référence par une étoile, une lumière d'une étoile, peut-être elle bouge. Vous savez, cette question-là, une fois j'avais un débat avec un rav qui a dit, je m'excuse de répéter ces choses-là, mais l'ignorance règne. Il a dit que le monde a été créé comme il est. Maintenant. J'ai dit, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est la même chose? Il a dit oui. Et si tu ne crois pas à ça, tu ne crois pas en Dieu. C'est pas figé. Je lui ai dit, dis-moi, l'eau, elle ne mange pas les grottes, elle ne mange pas les montagnes, le vent ne coupe pas les montagnes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as jamais été sorti dans la nature? Tu ne vois pas les couches? Non! Si tu dis qu'il y a eu des couches avec du sable et tout, tu ne crois pas en Dieu. Je dis, pourquoi je ne crois pas en Dieu? Parce que Dieu a fait ça comme ça. Je lui ai dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Comme on a le Maïmoni avec nous, c'est un grand sage. Je lui ai dit, je te pose une question. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, viens avec moi dehors. On est sorti dehors. Je lui ai dit, tu vois les étoiles? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, et les étoiles? Elles ont été comme ça. Elles ne bougent pas. Rien ne bouge. Il m'a dit, oui, ça bouge. Je lui ai dit, et comment ça bouge? Comment ça bouge? Puisque tu la vois, cette étoile-là maintenant, l'étoile du Nord, elle bouge pas, elle est là. Ça bouge? Je lui dis, en référence à nous, la lumière de l'étoile est là. Mais on ne sait pas si l'étoile même qui a renvoyé cette lumière est encore là. Puisque ce sont des millions, de millions, de millions d'années de lumière. Et vous savez que les sages disent qu'entre chaque couche d'existence, il y a l'horizon, 500 années de lumière. Ça veut dire qu'il faut multiplier 300, mais si on veut voir avec la lumière mesurable. La lumière pas mesurable, ça fait des mesures énormes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend 300 000 km par seconde. On multiplie la seconde par 60, on a la minute. Par 60, on a l'heure. Par 24, on a la journée. Par 30, on a le mois. Par 365, on a l'année. Et on multiplie par 500 et on reçoit les kilomètres. Et il est écrit qu'entre chaque couche, il y a encore 500 années de lumière. Ah ben non. Comment on fait? Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, lui, Dieu, il savait que les êtres humains, ils vont un peu dévier du chemin droit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous, en dessous de la Terre, vous allez jouer au jeu que vous voulez, bombe atomique, électromagnétisme, ce que vous voulez. Jouer, c'est un jeu. Mais le ciel, vous ne pouvez pas jouer au ciel. Pourquoi? Le psaume qui dit, « Ashamaim, shamaim la Hashem, ve'aharetz natan livnei Adam. » Les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient aux êtres. Et voilà, on voit ici. Mais avant, il y avait. Yomer Elohim yehi meorot birkei hashamayim l'avdil ben hayom bolin. Lo keshur la'aretz, autre chose. C'est pas juste sur la terre. C'est ce qui se passe en haut dans les cieux. Vous, ce qui se passe avec vous, c'est ce que vous pouvez saisir. Jusque-là. Tout va bien, on n'a aucun conflit avec personne. Tous les astrologues et les astronomes sur Terre sont d'accord, Descartes. Il y a aujourd'hui les grands télescopes, il n'y a aucun problème. Sauf que,
dans les dernières années, se passe un drame. Le drame qui se passe dans les dernières années n'est pas du tout une blague. Les êtres humains sont tellement amortis par des savoirs non valables que leurs pensées n'arrivent pas à évoluer. Ils sont arrivés à un stade de liberté de savoir. Vive la liberté, les Américains, les Nations Unies et tout ce balagan là qui détruit le monde. Qu'est-ce que c'est la liberté du savoir? On va permettre à chaque être sur Terre de devenir notre esclave par G5. Télécommunication. Et pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer dans l'horizon qui est à 450 km jusqu'à 550 km, l'horizon le plus proche de l'être humain à l'extérieur de l'atmosphère. Vous savez combien de satellites? Des dizaines de milliers. Et ils disent que dans quelques années, l'être humain sur Terre ne va plus voir les étoiles. On va voir seulement des satellites. On va lever les yeux. Et comme je vous dis que la Terre, c'est une sphère, elle est entourée d'une sphère qui s'appelle Rakia. Dans son Rakia, elle, nous, on voit les étoiles qui sont là. Mais si ici, je vous mets énormément de lumière, ces lumières-là, elles vont cacher les lumières qui sont au-delà de nous. Ça veut dire que, malheureusement, je vous dis des choses, prenez ça avec chacun ses limites, mais sachez que dès qu'ils vont, malheureusement, essayer de faire quoi? D'enlever la puissance des lumières des étoiles sur la Terre. Ils veulent, eux, faire dominer le ciel. Et là, il y a un passage qui dit « Shamaim, Shamaim, la Hachem » et « Haaretz Natan Levnei Adam » L'année dernière, à la fête de Shavuot, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Avant qu'on fasse Hallel, j'ai pleuré très, 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 très fort. Mais vraiment pleuré. Et j'ai dit à mes élèves, faites attention à vous. Ils veulent voler le ciel. Voler le ciel veut dire, ils vont influencer le cerveau humain plus fort que les étoiles influencent l'être humain. Et la Terre. Parce que vous savez qu'il y a des recherches, il y a des études qui ont été faites. Tous les minéraux sur Terre sont influencés par des étoiles. Toutes les plantes sur Terre sont influencées par des étoiles. L'être humain est influencé par le signe zodiaque. Mais dès que eux, ils envoient des ondes électromagnétiques sans arrêt et en quantité, les ondes électromagnétiques qui viennent des étoiles se font brouiller. Et l'être humain, malheureusement, va perdre son identité. Parce qu'une partie de notre identité dépend de la lumière des étoiles qui nous illumine. Chacun à nous. Et il est écrit que chaque personne qui naît, une étoile naît avec lui. Et quand il meurt, une étoile meurt avec lui. Mais dès qu'ils ont commencé à faire les fives, les enfants qui sont artificiels, et ils sont en train de créer plein de robots, de bêtises, de choses, ils disent que bientôt, il n'y a plus d'êtres humains qui sont dépendants de Dieu. L'être humain est dépendant de la machine. L'être humain est dépendant de l'ordinateur. Mais c'est horrible, ça. Bien sûr que c'est horrible. Mais vous, vous utilisez les appareils smartphones. Moi, j'en ai pas. Les nouveaux appareils, il y a un autocollant derrière. Vous avez vu l'autocollant? Vous savez c'est quoi? Ça enregistre tout ce que vous dites. Exactement. 24/7. Et le problème, c'est que cette information va dans les cieux. Et qui prend l'information? Les gens qui ont l'accès aux satellites. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'information? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent l'être humain. Ils veulent arriver au jour que quand ils vont appuyer un bouton,
une onde électromagnétique va être envoyée et nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. On nous a vendu une imagination américaine qui s'appelle liberté. Et égalité. Hein? Liberté, égalité. On a le droit de choisir. Sauf que je ne sais pas si vous savez, mais on va prendre les élections en Israël. Si vous avez regardé les rues, il y avait peut-être 4 partis, 5. Vous savez combien ont déposé le brevet? 46. 43. Pourquoi on ne les voit pas dans les rues? Pourquoi on ne les entend même pas? Pourquoi à la radio, ils ne parlent pas? C'est la liberté, non? Laisse-moi choisir. Peut-être que je vais choisir les femmes libéraux, je ne sais pas quoi, moi. Ou bien peut-être les religieuses, va voir. Non. Non. On a le droit à la parole seulement à ceux qui vont refaire ce qu'ils ont fait. Tous les médias sont achetés. Les médias sont achetés. Tout est cyber. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose de joyeux. Tous les grands empires qui ont existé sur Terre et qu'on a encore les preuves qu'ils étaient sur Terre. Les Grecs, on a les immeubles immenses, on a les signes des Grecs qui n'étaient pas des bêtises. Les signes zodiaques, c'est d'après les Grecs qu'on les voit. Et vous voyez que nous-mêmes, on dit qu'il y a Mazal. Ça existe, les signes zodiaques. On a les Égyptiens qui ont fait des très grosses pyramides que l'être humain n'a pas refait jamais. Et on se demande comment ils ont fait. On a en Inde, le nord, le sud de l'Inde, au Pérou, des mêmes pyramides immenses. Oui, au Mexique. On a au Mexique. Au Mexique, les Aztèques. On a énormément de preuves sur Terre. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui. D'êtres humains qui sont réussis à atteindre un savoir qui était lumineux. Exact. Et ils ont décidé de régner sur cette lumière. Et l'être humain, son rôle n'est pas de régner la lumière. L'être humain, son rôle, c'est de rendre la lumière. Recevoir de la lumière. Et renvoyer, profiter. Profiter de la lumière qui est dans la matière. Et la répercuter. Ça, c'est le juste point d'équilibre d'un être humain. Sauf que quand quelqu'un devient tellement puissant, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Puissance, je vous dis, il y a des puissances sur Terre de richesse, des familles. Ils ont 50 billions de je ne sais pas quoi, ils ne savent même plus compter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient. Alors où ils vont? Ils vont dans les universités. Et on commence à demander, qu'est-ce qu'il y a comme technologie? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Combien ça coûte? J'achète. Combien ça coûte? Et un jour, ils ont commencé à jouer au jeu. Satellites, des petites fusées. Vous savez qu'il y a un homme privé qui a des fusées qui vont et qui reviennent. Il se fait payer par NASA chaque aller-retour 1,6 milliard de dollars. Privé. Un homme riche. C'est lui qui avait PayPal. C'est lui qui a fait eBay. C'est un homme riche, intelligent. Et il vit de nos jours. Et quand ils ont joué, ils ont vu que les petites fourmis, après qu'on les a bien manipulés avec la télévision, les écrans bien manipulés, tu seras belle, tu seras beau, tu seras riche, tu auras une nouvelle voiture. Tout le monde aujourd'hui a des nouvelles voitures. Comment? Crédit. Vous prenez la route en Israël, sur les autobus derrière, on vous dit, prends 200 000, prends 600 000, prends 50 000. Une fois, j'ai dit à mon genre, je dis, peut-être on prend les affiches comme ça, on revient à la maison à 1 million de shekels, on n'a rien fait. Et ils vous disent, or bancaire, vous n'avez pas besoin de garant, donnez-vous votre... Des histoires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire travailler l'industrie des voitures, qui est une des plus grandes industries sur le monde. Mondiale, hein? C'est pas de rigolade. Et comme ils ont vu que les gens, ils ont de très bonnes voitures et très belles voitures, ils ont arrêté d'acheter. Ils ont dit, s'ils arrêtent d'acheter, comment on va faire des nouveaux? Alors ils leur ont dit,
tu l'uses 3 ans, jette-la, on te donne une nouvelle. Tu, alors tu nous dois encore un peu. Tous les mois, tu donnes 200 euros. Leasing. Tu veux donner 400 euros, tu auras plus belle. Tu veux donner 600 euros par mois, tu vas avoir une limousine. Et quand les êtres humains sont sortis de la vie mesurée de la nature, là, on commence à avoir un problème. Ce problème s'appelle les crédits. Ce problème s'appelle le niveau de vie qui est très, très cher en Israël. Deux fois plus cher que l'Europe aujourd'hui déjà. Le niveau de vie. Les gens travaillent aujourd'hui. J'ai entendu des prix. Je suis devenu fou. Le loyer. Ah ouais. Aranana, 6 000 shekels. C'est rien encore. Comment ils font les gens? Petit, c'est vraiment petit. Comment ils font? D'où ils emmènent 6 000 shekels? Donc les gens sont obligés de travailler 2 à 2. 2 fois 2, 4. 16 heures par jour. Leurs enfants sont kidnappés, hop, on s'en fout. On les retrouve dans la rue pour leur donner à manger. Mais ils ont une belle voiture. Ils sont dans un immeuble neuf avec un gardien. Et ils ont des plasmes partout. Et ils se prennent pour n'importe qui. Sauf que ils ont perdu la mesure naturelle. Et quand on sort du naturel, c'est, écoutez bien ce que je vous dis, c'est la guerre contre Dieu. C'est remplacer les cieux en être. Et c'est ce qu'ils ont fait les Égyptiens, les Romains, Inca, Shminka, tous, à un moment de pouvoir, ils ont dit c'est nous Dieu. Pourquoi? Si on veut que tout le monde achète Benetton, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va acheter Benetton. Combien ça coûte? Moi j'étais dans des réunions, il y a des années, dans un des journaux en Israël. J'étais dans un comité. Écoutez bien. Je crois que c'était septembre-octobre. Il y a une réunion, on décide l'année prochaine quelle sera la couleur générale de tout le monde. Je m'en rappelle, ils ont décidé que ça va être le violet. J'aurais dit pourquoi du violet? Ils m'ont dit parce qu'il y a une compagnie qui va faire une série d'habits et ils ont payé 10 millions. Et maintenant, toute l'année, sans que vous voulez, quand vous allez acheter violet, quelque chose, ça sera violet. Il n'y aura que du violet. Tout le marketing sera autour de cette tout. Tout. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a la publicité, et après commence le marketing, et après la vente. Et après, il y a le mimétisme. Et ils ont décidé un jour que tout le monde en Israël doit boire de l'eau du minibar. Oui. Sauf qu'ils ne vous ont pas dit une chose. Le minibar, c'est comme avoir le Dutch Emesh allumé 24 heures sur 24. Vous savez ça? Quand je leur ai dit ici, à Sitre Chaim, enlevez-le de la prise électrique parce qu'on est seulement deux jours par semaine, des fois trois. Ils m'ont dit, quelle est la différence? Je leur ai dit, ça, hein, ça bouille tout le temps. Donc, c'est comme si qu'on a le pour chauffer l'eau allumé. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le directeur? Il a dit, allez, on enlève pour voir. On est descendu de 600 shekels d'électricité par mois à 150. Il m'a dit, Raf, c'est autant d'argent. Je lui ai dit, mon fils, regarde. Dimanche, on est là. Oui. Lundi, on n'est pas là. Mardi, on n'est pas là. Mercredi, on est là. Jeudi, vendredi, samedi. Combien de temps ça travaille vide et combien de temps ça travaille vrai? Et les gens oublient une chose. Quand on a acheté un filtre d'eau, voilà, tu vois, il faut changer le filtre d'eau. Oui, bien sûr. Belle blague, bien sûr. Vous savez quel est le problème? C'est que quand eux, ils mettent le filtre d'eau nouveau dans l'eau, vous, vous ne connaissez pas la réaction biochimique. Maintenant, un fou va mettre deux gouttes de microbes. Bien sûr. On va tous le mettre, une ville entière. Tout le monde va avoir problème d'intestin. Tout le monde va avoir un problème du cœur. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. On a bu la champagne de la nature. Par contre, comment ils ont dit? L'eau minérale.
champagne de la nature. Donc, il faut voir que nous, en tant qu'êtres humains, on n'oublie jamais la nature. Et moi, ce que je fais de temps en temps, je vais dans le désert. Quand tu vas dans le désert, tu redeviens naturel. Et sachez que les mouches, c'est une partie de la vie. Les petites bêtes, c'est une partie de la nature, du cycle de la nature. Les plantes, c'est une partie de la nature. Combien de nous, on voit une plante fleurie et emmener un fruit? On a oublié. Combien de nous, on sait qu'au lever du soleil, il y a un vent très très agréable, même en été, et au coucher du soleil, il y a un vent très agréable, même en été. Combien de nous, on reconnaît la nature, comment elle est bien faite avec l'être humain? C'est magnifique. Vous savez, dans le désert, quand on est sur une piscine, comme ça, je donne le coup. Et je leur dis, qu'est-ce que c'est? Vous avez chaud? Oh, on a chaud, rap. Je te dis, pas trop, qu'est-ce que vous voulez? Du vent? Du vent. Viens un souffle de vent comme ça, froid. C'est vrai. Il me dit, d'où ça vient ça? Je leur dis, c'est quoi le vent? C'est un ange. Appelle-le. Il vient. Oh, tout va bien. Non mais Raph, c'est pas le ventilateur? Quel ventilateur? Et le vent naturel, vous savez à quoi il vient? Avec l'humidité. Oui. Le vent du ventilateur, il vient sec. Le masgan, n'en parlons pas. Les microbes qu'il y a aux sorties du masgan, qui nettoie? Qui, allez, on y va. Tout le monde nettoie, tout le monde raconte des histoires. Mais on nettoie juste le filtre. Et tout ce qu'il y a dedans, jusqu'à quand que ça sort, personne nettoie. Malgré que si vous mettez un peu de Javel, ça nettoie très très bien, sauf qu'il ne faut pas être dans la chambre une heure, quelques heures, c'est tout. Mais nous avons un problème. L'oxygène qu'on respire est devenu pollué. Pas pollué. Commandé, télécommandé. J'ai deux masganim chez moi à la maison. Il est venu un technicien. Il a dit à ma femme, ah, c'est ces deux-là, oui. Tu sais pas que quand ils les ont créés, ils ont dit c'est 7 ans et c'est fini? Il a dit pourquoi c'est fini? Il a dit c'est tout, c'est programmé. 7 ans, tu as utilisé? Oui. Allez, jette un œuf. Pourquoi? Parce que l'usine doit travailler. C'est un masgan, c'est un air conditionné, il travaille trop de temps. Et comment on va la nouveau? On peut pas. Il faut que les gens travaillent, il faut qu'il y ait des emplois, rendre des endroits d'employés. Donc, qui paye? L'employé même paye sa paye. Ça, c'est l'esclavage. Quand nous, au lieu de bénéficier de la nature, avoir le droit de manger de la terre, non, non, non. Tu as mis dans la terre des trucs, l'agriculture, paye. Qu'est-ce qu'on paye? Les taxes. Tu payes l'eau, la taxe. Transport, la taxe. Et tu le gardes dans le frigidaire, la taxe. Ah, l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Et si ça ne s'appelle pas un royaume? Moi, je m'appelle une chèvre. Je suis pas loin. C'est le royaume. On est arrivé après 70 ans qu'ils ont exterminé la volonté d'Hitler de devenir le royaume. Et vous savez pas, regardez un peu sur National Geographic. Tout ce qu'ils ouvrent sur Hitler, il avait des visions très, 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 très avancées. Tout NASA, c'est Hitler. Toute la pharmacologie, c'est Hitler. Tout le truc de créer des armes, c'est Hitler. Hein? Ils avaient inventé un médicament, oui. La pervitine, et qui en réalité c'était un dopant pour les soldats qui partaient au front. On les dopait. La pervitine. Et ils n'arrêtaient pas de faire la réclame. La pervitine, la pervitine. Tout le monde voulait sa pervitine. Et l'armée américaine, les unités d'élite sont droguées? Absolument. Tout le temps. Absolument. Ils sont tout le temps en dessous des drogues. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font comme un être humain. Drogué. Sauf, tu es un soldat. Tu dois faire ce que je te demande. Alors je vais te droguer. Et il y a des livres qui parlent du futur du cerveau. La guerre en Afghanistan, écoutez bien ce que je vous dis, est une guerre que les talibans
ont réussi à chasser les Américains, les Russes, tous. Vous savez comment? Ils disparaissaient. Des petites personnes comme ça. Tu viens tirer sur lui, hop, il est plus là. Il est là derrière toi. Ta, 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 ta. Eux, ils sont encore dans l'être humain. Dans la technologie de l'être humain. Et nous, on ne doit pas oublier que l'être humain, la terre a été créée pour l'être humain. Et non pas pour profiter de l'être humain et de le mettre en esclavage. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Vayu lemorot birki hashamayim » Dans l'horizon que vous allez regarder le ciel, vous allez voir qui ? Mes étoiles. Les haïr. Je veux vous illuminer. Les nouveaux satellites qui vont remplacer la lumière des étoiles ne veulent pas nous illuminer du tout, hein. Et maintenant, comme ils ont eu un procès, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah, ça dérange la lumière. Eh ben, on va cacher la lumière. Ça veut dire qu'on va avoir au-dessus de la tête des dizaines de milliers de satellites qui n'arrêtent pas 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, bombarder l'être humain. Et ils veulent que tous les gens sur Terre soient bombardés par cette histoire. Léaïr à la Haaretz vayéhi ken. Sachez une chose, quand il écrit dans la Torah vayéhi ken, sera comme j'ai dit. Toutes les empereurs, tous les rois qui ont commencé de dominer le ciel sont tombés. Donc ils vont tomber. Bien sûr que ça va tomber. Alexandre est tombé. Tout le monde va tomber. Tous ceux qui ont pris la mouche. La Rome est tombée. De je suis le chef du monde, je vends la technologie à tout le monde, j'ai les ordinateurs lumière et paka 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 paka. N'oublie pas de dire Dieu. Qu'est-ce que vous faites de l'islam actuel ? Il n'y a aucun problème avec l'islam, madame. À la limite, c'est petit par rapport à ce qui se passe. C'est rien du tout. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les médias ? Ils n'arrêtent pas de diriger les gens contre une religion. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils dirigent la haine des gens contre une religion que moi, je connais le Coran. Je ne sais pas si vous connaissez les gens... musulmans, mais ils n'ont pas le droit de prendre de dettes. Ils font du commerce seulement avec de l'argent. Ils ont leur rôle. Ils ne tuent comme ça. Il n'y a que des juifs qui sont tués par des musulmans. Mais je parle pas de... Rabbanit, vous ne savez pas combien de non-juifs sont tués et vous ne savez pas combien de musulmans sont tués. Oui. Parce que ça, on ne le dit pas dans les médias. On veut recréer la peur de l'Holocauste. Deux. Ça, vous savez tout ça pourquoi ? Pour une chose, déviez votre pensée de ce qui se passe. Il y a des chevaux qui passent et ils sont en train de manipuler cyber. Ils manipulent notre cerveau. Faites attention. Et en France et en Europe, aujourd'hui, ils sont déjà arrivés à reconnaître une maladie qui s'appelle sensibilité aux ondes électromagnétiques. Il y a des cages qu'on met dans les maisons. Des cages, vous savez pas ? Il y a des cages qu'on crée avec des tuyaux de cuivre. Et on rentre dans l'espace. Il n'y a aucune onde électromagnétique. Tout descend à la Terre. Donc il y a des gens qui déjà se font des cages dans leur maison. Avant, les gens payaient pour avoir des bunkers anti-nucléaires. Le nucléaire, c'est fini. On s'en fout du nucléaire. Maintenant, ça passe comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Cette ville-là, oui. Tout le monde va dormir, 20% va se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, attaque du cœur, attaque du cerveau, cancer, compagnie. Donc comment on va se sauver de ça ? C'est une question, non ? On veut savoir comment être au-delà de ça, puisque c'est écrit. Je vais vous dire comment. Écoutez bien, Rabbanit, laissez ça, c'est n'importe quoi. Je vais vous dire comment on se sauve de ça. Les gens qui vont être en société, que la base de cette société est l'amour sans jugement, ces gens-là ne peuvent pas être atteints par ça. C'est au-delà de l'électricité électromagnétique.
Et moi, j'ai prouvé déjà beaucoup de fois. Je vais le faire bientôt encore une fois avec une autre, un autre organisme électrique. Je vais vous montrer que je peux passer dans une chambre avec des rayons et la, les rayons ne me voient pas du tout. Comment ? Je passe dans la chambre. Comment ils ne voient pas ? Parce que quand on est dans le point zéro, comme il y a sur YouTube les films qu'on voit, que j'éteins complètement le cerveau, mais je parle, je bouge. Le point zéro, zéro, c'est union, amour. Je ne suis rien du tout. Et je suis tout. Et ça s'appelle en physique quantique des magic particles. On est dans, on retourne à la source lumière de l'être humain. Et ça, ils ne peuvent pas toucher. On ne peut pas s'annihiler complètement. On peut. On peut s'annihiler complètement. On peut s'annuler à un point que vraiment on devient invisible. Je rigole pas. Par la méditation. Pas. Technique. C'est une technique. Oui, c'est des techniques. Rachid faisait ça. Il y a beaucoup qui font ça. Rachid, comme ça, il parlait aux gens, il était invisible. Oui. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait la chance de s'aimer sans aucune barrière. Papa, il te dit, je m'en achète, je ne veux pas sortir de la maison.